Vous êtes un fan de Super Smash Bros, mais vous aimez aussi passer un moment entre potes? Alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Toutes mes salutations les plus sincères, ici Life is Cool depuis le pugilat des étoiles. Aujourd'hui, on change un peu de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est pour votre bien. Vous le savez, parce qu'on vous l'a sans cesse répété, se déplacer en tournoi est primordial. Même si c'est dur ou que ça fait peur, franchir le pas vous aidera dans votre intégration à la communauté et pour monter de niveau de manière significative. Comme on a remarqué que les tournois majeurs comme l'UEFA ou le Stunfest ne vous mettent pas à l'aise, laissez-nous vous présenter un exemple de ce qui est au cœur de la communauté Smash, de fraternisation et de convivialité tout en aimant la compétition. Laissez-nous vous présenter le Game Over à Nantes. Avec Foster, TPK et Wim, nous avons été invités à passer une soirée avec la communauté nantaise, participer à un petit tournoi et partager un moment avec eux dans LE bar e-sport de la ville. Bien sûr, toujours avec Smash Ultimate, mais aussi avec d'autres jeux arcade, des jeux de société en tout genre et des soirées à thème, sans oublier les décorations qui vont bien. Tout ça est géré par Kilis, patronne du bar que les aguerris de cosplay connaissent sans aucun doute, et son équipe de barman au poil qui nous gratifie d'un service parfait. Ce genre d'endroit est un cas d'école pour s'intégrer dans votre communauté locale et commencer des tournois semi-compétitifs. Oui, parce que passé une certaine heure, les réflexes sont plus vraiment les mêmes. Le Game Over fait partie de l'essence même de la création de liens sociaux dans la communauté des jeux de combat. Et figurez-vous que Smash n'en est pas exempté. Si vous êtes de Nantes et des environs, n'hésitez plus et allez y faire un tour. En plus, la crème des joueurs locaux s'y retrouve souvent comme Verdigris, Mar ou encore Mono. Si vous venez d'autres villes, pas de panique, d'autres bars peuvent aussi organiser des tournois de ce genre. Mais on vous cache pas que celui-là, il est vachement bien. Jouer entre amis, rentrer dans la communauté, participer à un tournoi et se désaltérer dans la convivialité, c'est de ça que parle le Game Over et c'est avec ce genre d'initiative que la communauté grandit. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée avec Kilis et son équipe, et on se croisera peut-être dans l'un de ces bars. En attendant, c'est bien depuis le pugilat des étoiles et le Game Over que moi, Life is Cool, vous transmet toutes mes salutations les plus sincères. Salut.